vrai lancement du marathon, il est vraiment ici deux jours et demi avant. On vient valider son certificat médical, on vient chercher son dossard, son petit sac coureur. Pendant deux jours et demi, on va accueillir plus de 90 000 personnes sur le salon du running, l'ensemble des coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris, donc les 57 000 inscrits, plus leurs accompagnants et des runners, des gens qui sont passionnés de running, qui viennent aussi sur le salon et qui ont envie de découvrir le salon pendant trois jours. On leur propose des entraînements, il y a des initiations à d'autres disciplines sportives comme le yoga, le fitness, la zumba, etc. Donc ils viennent vraiment aussi ici pour pratiquer du sport. L'avantage du salon, c'est de pouvoir faire les rencontres maximales entre les coureurs, la passion course et le marché de la course à pied. C'est le rendez-vous incontournable de l'année. Je trouve qu'entre le marché du running et la passion running, c'est là où on peut faire le plus de mélange, le plus de rapprochement. Salon du running, première exposition, première présence. C'est le salon du sport français, le salon majeur du sport, qui ne rassemble finalement pas que les coureurs, mais aussi tout type de sportifs. Et pour nous, c'était devenu indispensable d'être présent dans l'événement majeur du running pour une marque running en plus à Paris. La société Bel Espoir, c'est une image, c'est très important d'être présent sur le salon du running, dans le sens où on est aujourd'hui leader dans la compression chez les sportifs, donc leader sur le marché, et aujourd'hui le marathon de Paris étant la vitrine pour Bel Espoir, c'est incontournable.